Bonjour et bienvenue dans Livre et moi. Si nous nous rencontrons pour la première fois, n'hésitez pas à vous promener dans la chaîne pour découvrir le ou les livres qui vous vont. Et si la promenade vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, juste un clic, pour aider à la pérennité de la chaîne qui n'a pour but que le partage de jolies pages et la promotion de la lecture. L'auteur que nous rencontrons aujourd'hui s'appelle Patricia Aylwine. C'est une plasticienne réputée qui vit à Los Angeles et qui a grandi dans des châteaux en Espagne et en Allemagne. Son livre, qui fait l'objet de notre présentation, est le deuxième de ses écrits. Je vous propose de la rencontrer. Le livre que nous rencontrons aujourd'hui s'appelle Lance-Pierre. Il est paru en octobre 2021 aux éditions Anne Carrière. Grace a 15 ans. Elle vit dans un pensionnat de seconde zone au fin fond de la Floride, et elle est élevée par sa mère qui vit dans un univers peuplé de licornes. Son père, lui, a une famille légitime en Californie, et la mère et la fille vivent en marge de la vie de ce père brillant qui n'a jamais légitimé la mère et l'enfant. Grace s'est résignée à sa vie de fille singulière, mais tout bascule le jour où, à l'aide de son lance-pierre, elle sauve un jeune garçon, Wade, en passe d'être mis à mal par trois garçons du lycée. C'est alors qu'un nouvel univers s'offre à la jeune fille et elle se rend compte qu'une autre vie est possible, que l'on peut communiquer, que l'on peut être complice avec quelqu'un. Et le bonheur semble se décider pour ces deux adolescents. Seulement, Wade a lui-même ses propres démons. Grace est amoureuse de son professeur de biologie, Monsieur Sorrentino. Elle vient de voir ses espoirs réduits à néant par l'indifférence polie et très professionnelle du professeur, et elle erre désespérée dans le bois où les élèves peuvent aller se faire. C'est alors qu'elle va rencontrer Wade et le sauver de ses agresseurs. C'est le passage que je vous propose de découvrir. J'ai frénétiquement essuyé les traces de larmes sur mes joues, refermé mon carnet et fait volte-face. Un groupe de garçons traversait le champ en courant, se dirigeant plus ou moins vers moi. Les trois plus grands semblaient pourchasser le quatrième un peu plus jeune. J'ai cru reconnaître les premiers, tous des terminales, mais le dernier devait être nouveau, car je ne l'avais jamais vu auparavant. Et comprenant qu'il était acculé, il a ralenti l'allure. Le mur d'enceinte le coinçait et il n'y avait aucune issue. Il s'est immobilisé et s'est retourné, essoufflé, pour faire face aux trois autres. Ils l'ont encerclé
et j'ai pu les identifier avec certitude. Le plus balèze était Derek McCormick, un terminal qui emballait toutes les filles avec sa belle gueule et son comportement de connard. Les deux autres s'appelaient respectivement Neil et Kevin Lutz. Ils formaient un trio bien connu sur le campus et étaient aussi inséparables que les composants d'un précipité chimique. Quand il est devenu évident que leur victime était piégée, ils ont pris tout leur temps pour savourer ce combat inégal. En guise d'introduction, l'un d'eux a poussé le troupeau, qui a trébuché en arrière, avant de reprendre l'équilibre. Derek, visiblement le chef de bande, s'est avancé avec un énorme sourire, comme un comédien dans une pub pour les loisirs en plein air en train de jouer au frisbee. Il avait tellement tout du sac à merde que c'en était fascinant. Et soudain, le nouveau a coupé court à la comédie de Derek en lui balançant un direct étonnamment puissant dans la mâchoire, prenant tout le monde par surprise, moi y compris. Derek a titubé de quelques pas en arrière, puis s'est redressé et l'a cogné dans le ventre, l'écume aux lèvres. Les deux autres sont joints à la mêlée. Le nouveau est tombé par terre. Sans réfléchir, j'ai attrapé une poignée de cailloux. Le petit groupe n'a pas remarqué ma présence. Les trois brutes se serraient autour du quatrième pour le bourrer de coups de pied à tour de rôle. Une fois assez près, j'ai glissé un caillou de belle taille dans la poche de cuir de mon lance-pierre, puis je l'ai armé en l'enroulant pour minimiser l'impact, ce qui permettrait au projectile de voler droit. J'ai visé le visage de Derek, son oreille gauche, pour être précise. Il se redressait justement pour reprendre son souffle. Il a pris le caillou là où je l'avais prévu et a sursauté dans un cri de douleur. Derek a regardé frénétiquement autour de lui. Lorsqu'il m'a aperçu, il est resté à me fixer d'un air ébahi, la main sur l'oreille. Je ne pense pas qu'il avait compris ce qui s'était passé. Bouche bée, il arborait un air perplexe et se tenait parfaitement immobile, la configuration parfaite quand on veut viser quelqu'un. Et c'est ce que j'ai fait. Putain, mais ça va pas! S'est-il exclamé quand le deuxième caillou lui a entamé la joue. J'étais pratiquement certaine de ne pas avoir perdu la main. Mais j'avoue qu'en touchant en plein dans le mille une nouvelle fois, j'ai exulté. Un récit sensible et acide qui raconte avec justesse l'histoire de ces deux adolescents qui se trouvent, qui se déchirent et qui grandissent. C'est le portrait flamboyant d'un premier amour sur fond d'amitié, de poésie, de trivialité, de bouillonnement hormonal et de fou rire. Un livre dont vous pourrez partager la lecture avec votre adolescente ou votre adolescent et dont les conversations post-lecture pourront être extrêmement riches pour les deux parties. J'avoue que j'ai beaucoup aimé ce livre qui m'a amusée et je pense que vous trouverez le même plaisir à parcourir ces pages. En attendant, je vous souhaite une très bonne lecture et lorsque vous sortirez du pensionnat, ne fermez pas la grille. Certains auront sûrement envie de voir ce qui s'y passe encore. Je vous souhaite une très très bonne lecture, de belles découvertes et je vous dis à très très bientôt.